Regardez sa naissance d'une fourmi en time-lapse. Là, l'ouvrière ouvre le cocon avec ses mandibules, sa bouche quoi pour aider sa nouvelle sœur à sortir. On commence à apercevoir la nouvelle fourmi. Regardez ça, elle est en train de la sortir. Là, elle l'aide à se déplier ou se déployer, appelez ça comme vous voulez. Désolé si c'est un peu flou, c'est tellement petit, c'est dur à filmer. C'est bon, je vais vous montrer maintenant l'ouvrière qui vient de naître. La grosse fourmi, c'est la reine. La colonie passe donc d'un à deux ouvrières. Et toi, quel animal de compagnie as-tu chez toi? Pense à t'abonner, mon poteau.